Bien le bonjour les gentes abonnées. Ouais. Bah, c'est plutôt là qu'il faut que je regarde. C'est bah, putain, j'ai l'impression d'être à la télé, je regarde deux caméras. Ouais, caméra 1, caméra 2. Ouais. Vous vous dites sûrement ce qu'on a là. En fait, ce sont des jeux de société qu'on avait créé nous quand on était très jeunes, tout petit. D.I.O. Et donc on s'était créé notamment ce Mario Party. Grandeur nature, un vrai Mario Party. Oui, un vrai, vrai jeu de société, un jeu de plateau. On avait réalisé c'est surtout lui qui l'a inventé. Hein. Les personnages jouables ici sont également par ici. Ce n'est pas du tout français. En Paper Toy. En Paper Toy. Le but de Mario Party. Le but de Mario Party est de récolter et d'avoir au final le plus d'étoiles possible. Elle est ici. Vous allez voir, on peut en gagner autrement. Vous allez comprendre. Oui. En fonction des cases où tu tombes, il va se passer quelque chose de différent. Voilà. Ceci c'est la boutique où on pourra acheter différents objets. Les tuyaux. Ouais. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Pourquoi il y a une fleur là? Je ne sais pas. Trouve une règle. C'est joli. C'est joli. 1, 2, 3, 10, 12. L'étoile est ici. J'espère que vous la voyez. Donc il faut aller la récupérer, mais il faut avoir suffisamment de pièces pour l'acheter. Bien sûr, l'étoile coûte 20 pièces. Okay. Je t'annonce, Zippy, que les pièces seront comptées en dollars. D'accord. On va faire tous les deux tours un mini-jeu où on va s'affronter et celui qui remporte va gagner des pièces. Je lance 5, 6. Allez, on est joueur. Une case événement. Je lance le dé. Et on va voir ce qui va m'arriver. Passer. Le 2, c'est le champ. Il me fait avancer 10 cases. Et si t'es sur mon chemin, tu me suis jusqu'à mes 10 cases. 8, 9, 10. Case rouge, moins 3 pièces. 3. 2, 3. Case bleue, plus 3 pièces. Un mini-jeu s'impose. On veut des mini-jeux. 2. Papier volant, nous en vous invitons à passer au salon. Bienvenue sur le mini-jeu. Nous disposons chacun de 10 boulettes de papier. Oui. Ou de boulettes. Zippy, tu vas devoir lancer tes 10 boulettes, en rentrer le plus possible. 3 échecs sur 3 là quand même. On est sur un score de 0. Tu l'as mise? C'est bon, tu peux t'arrêter, t'as gagné. Hein. Non, j'ai envie de finir. Bon. On est sur un score de 4. Elles étaient bon, ces boulettes. Je passe par la boutique. Est-ce que tu as envie d'acheter un de ces objets? La carte. Tu peux m'apporter la carte? Attends, s'il vous plaît. Pour une pièce, je vais prendre un dé ralenti. Tu as donc 8 dollars en poche. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre l'American Dream là? On part avec rien du tout dans notre poche. Et on finit avec on des étoiles dans les yeux. I'm here to live the American Dream. 2. Je fais 1. Je ne peux pas acheter, je n'ai que 13 pièces, donc je ne peux pas acheter l'étoile. We don't do this anymore. L'étoile est à 20 dollars. 3, 4. Est-ce que tu passes à la boutique? Alors, bah, fais-vous voir, ouais. Je vais prendre. Ouais. Un raccourci. Un raccourci qui est à combien? 15. 1. Puis 2. Événement, vas-y, lance donc le dé. 3. C'est le bou. Là, t'en as 4 là. 4 représentants de l'espèce. Un bou, bah, ah, merde. Un bou va vous ramener le double de pièces que votre ah, merde. Mais voilà. Que fais-tu? Un bou va vous ramener le double de pièces que votre chiffre D qu'il aura volé à l'adversaire de votre choix. Allez, ça va être le double. 4. 8. Donc 8, je te vole 8 pièces. Un mini-jeu, c'est parti les amis. Lance donc le dé, monsieur Zippy. Je lance le dé. Allez, c'est parti. Putain, j'ai lu passage culotté. Non, passage clouté. Honneur à vous, vous allez prendre 1, 2 ou 3 petits bâtonnets de papier. Celui qui prendra le dernier aura perdu. Encore 3. Moi aussi, j'aime bien prendre encore 3. Je fais comme vous, en fait. J'ai la 203, on le fait 3 fois. Oui, bien sûr. Mais je vais faire comme vous. La précision étant donc. D'ailleurs, regardez bien comment vous faites. Attention. Ça, là, ça se complique. Je vais observer ces mouvements. Si j'en prends un, qu'est-ce qu'il va faire? Mais j'en prends un, mais serait-ce un miroir en face de vous? Je comprends pas. Je commence à me poser des questions. Oui, mais là, je pense que là, je pense que là, mes chances de gagner sont quand même assez minimes. J'ai plus parfait. Bien sûr, je vais en prendre. Vous gagnez vos 10 dollars. Ne me mettez pas un rond, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous serrer la main depuis 10 minutes. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite sur le plateau, à tout de suite, salut, c'est parti. Bien, je vous rajoute vos 10 dollars. Je suis d'une inefficacité hors norme. Je fais 1,
Suspense, encore une fois, une case, événement. Oh bonne mère. Wiggler fait preuve d'amitié et vous offre 10 dollars. Alors c'est à vous. Eh bien c'est à vous de jouer. Eh bien moi, je vais utiliser mon téléporteur. Téléportation. Vous utilisez votre raccourci pour vous retrouver à la case étoile. Vous avez donc 27 pièces. Voilà. Et je peux me permettre d'acheter une étoile. Ne buvez pas trop, c'est important. Un petit peu c'est cool, mais pas trop. Soyez raisonnable. Et on a oublié, mince. On a oublié. Quand on arrive aux 5 derniers tours, malheureusement on est aux 4 derniers tours, on a oublié. Tirez le dé et je vais vous dire ce que vous avez. Vous gagnez 10 pièces par adversaire. Donc c'est moi. Toi t'as 10 pièces par adversaire, donc en fait moi j'ai 10 pièces. Ah d'accord. Moi j'ai rien. Non. Ah d'accord, j'adore ce jeu. Je te laisse tirer le dé pour moi. 5, ça me donne une étoile. D'accord, j'adore ce jeu. 5, ouf, une petite étoile à 20 dollars. Vous avez encore 21 dollars. Et 2 étoiles. Je vais utiliser mon dé précis, mon dé ralenti. Et je fais 1. Et vous avez un duel. C'est l'heure du duel. La case duel. 6. L'enjeu est de 2 étoiles. Je n'ai pas 2 étoiles, mais je te donnerai. J'en ai qu'une, je te la donnerai si je perds le duel. Quel mini-jeu ? Le mini-jeu numéro 1, ça va être de la carte ajoutée. Ah ! Donc, nous allons tirer à tour de rôle une carte. Chacune des cartes a une valeur négative différente et le but est d'avoir des cartes les moins négatives possibles. Dès qu'on tire une carte, cette valeur négative va à l'autre. Bien sûr. Alors ! Paf ! Moins 9 ! Boum ! C'est pas mal. C'est beaucoup trop à mes goûts. Moins 12! C'est beaucoup trop à mon goût. Moins 5! Moins 12 plus moins 2, ça fait beaucoup. Moins 14! Oh là là! Oh là 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 là! Question. Moins 7. Moins 7. Moi je prends ça. Moins 10! D'accord, j'ai toutes les cartes les plus grosses en fait. Je gagne ce duel plein d'enjeux. Tu as perdu Tu m'as donné les 2 étoiles qui étaient dans tes yeux, ça me fait donc un total de 3 étoiles alors que je n'en ai acheté aucune. Ouais. Je perds 3 pièces. J'ai 22 pièces, donc je peux l'acheter. Ma première étoile que j'achète. J'ai 4 étoiles. La première étoile qui vole pas, dis-moi. 4 étoiles, 2 pareil. 2 pour les yeux, 2 pour les tétons. J'ai bien l'impression, mon cher Zippy, que la partie touche à sa fin. Tu as vraiment pas eu beaucoup de bol. T'as tout fait et je t'ai tout pris. Et pourtant, oui, c'est ça. Il nous reste un mini-jeu. Normalement, c'est pas dans les règles, mais je vais t'autoriser un duel. Tu rajoutes des règles. Je prends un autre. Ce mini-jeu a décidé la partie. Sur un poker arrangé. Allons-y. On s'arrange un petit poker. Tu lances les 3D et tu gardes. Et tu relances les autres. Et t'as 3 coups. Avez-vous compris? Peu importe ce mini-jeu, c'est celui qui décidera de tout. 4, 4, 6, c'est pas si mal que ça. Ah bah c'est déjà bien, mais. Il faut faire un 4. J'ai 2 essais pour faire un 4. J'avais 2 essais. Un 3. Oh, oh, ça va être difficile. Là, ça va être dur. Oh, c'est vrai qu'on a été injuste avec le petit Zippy brelant là. Oui, bah c'est un 2, il y a 3, ça ne fait pas grand chose. Donc je vais le relancer tout finalement, hein, pour faire un branlant un petit peu plus poulé. Et si tu fais un 4? Si je fais un 4, eh bien on refait. Mais je ne fais pas un 4. On retourne sur le plateau. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe là? Je suis curieux, je suis tout émoustillé. De faire le mini-jeu qui a décidé de tout. Et le mini-jeu a décidé que... Zippy premier de son nom. C'est premier ça, du nom. Volait 2 étoiles à Waluigi. Vous avez un total de 2 étoiles et vous avez un total également de 11 dollars. Marthe, moi-même, un total de 2 étoiles. Je n'ai que 8 dollars, ce qui est objectivement moins que 11 dollars. Le vainqueur est donc Monsieur Zippy. Veuillez lever le bras qui est déjà en l'air. Bien joué, même si le volet c'est mal, hein, quand même. Merci, oui, mais rendre c'est mieux. Ce jeu-là est donc un jeu qu'on a créé de toutes pièces. On vient de ressortir après 10 ans. De poussière. A bientôt, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, mettez un j'aime si vraiment vous avez envie de mettre un j'aime. Et je suis ravi d'avoir fait cette partie avec vous. Et oui, c'était très plaisant. Et on espère que ça vous a plu. Salutations, la vidéo que vous venez de voir est une version raccourcie de la vidéo qui est sur la chaîne des Tasters. C'est notre chaîne en commun avec Zippy. La vidéo a le même rythme de montage, elle fait juste 20 minutes au lieu de 10. Je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Et en plus, il paraît qu'il y a plein d'autres vidéos super sympas chez les Tasters. Salutations!